Josué chapitre 5. Circoncision ak fèt délivrance nan pays Gilgal. Le tout roi pays Amori yo ki te rete l'autre bord la rivière Jourdain sou bò soleil couché a ensemble ak tout roi pays Canaran yo ki te rete sou tout rivay golan même Méditerranée a vin konnen feye a te chèche de l'eau la rivière Jourdain pou pèp Israël la te passe la rivière yo vin pè an pile yo pèdi tout courage yo devan pèp Israël la. Le sa feye a pale ak Josué li di l kon sa. Pren wòch di fe. Kafe yo fè zenglen pou si kon si gason pep Israël ki fèt nan devèa. Se kon sa, Josué fè yon ban zenglen wòch bien filé. Li si kon si tout gason pep Israël la yon kote yo rele bit poti kok. Li te fè sa paske tout gason ki te gen laj pou yo pote zam le yo te soti ki te peyi l'Egypte la te mouri nan devèa pandan yo tap voyaje ya. Tout gason ki te vivan le yo te soti ki te peyi l'Egypte la te si kon si. Me, aucun nan garçon qui t'est fait pendant yo t'ap voyager nan devèa pa tan ko si kon si. Pèp Israël la t'est passé 40 ans ap voyager nan devèa. Pendant tout temps ça, tout garçon qui t'est gen l'âge pour faire la guerre, lè yo t'est sorti quitter pays l'Égypte là t'est mouri parce que yo pa t'coûté Seigneur à lè li t'est parlé yo. C'est comme ça li t'est dit yo li pa t'ap quitter yo yon wè pays li t'est promet li t'ap bay vansèt yo a bon pays côté lè t'ak si romiel ap couler tan kou de l'eau a. Mais li ba yo pitit pou remplase yo. Se pitit sa yo Josué te fi konfi paske yo pat fi konfi yo le yo tap voyaje nan devèa. Le li fin fi konfi tout gason yo, tout pep la rete la kote yo te moute tant yo wa, jouk yo te geri. Apre sa, Seigneur a di Josué kon sa, jodi ya mwen wete ou ont yo te fe nou nan peyi l'Egypte la, mwen voye l jete. Se poutet sa yo rele kote yo te ye ya, Gilgal, jouk jodi ya. En tant peuple Israël la terre te Gilgal nan plaine ki tout près la ville Jéricho, yo fete fête délivrance lan nan Aswè 14e jour premier mois. Nan demain fête délivrance lan, yo manje yo récolté nan pays a, grain blé grillé ak pain kouit sans lait de vin. Après ça, la manne lan suspend tombé. Depuis là ça, peuple Israël la pa joine la manne pour yo manger encore. Pendant toute l'année a, yo manje yo te récolté nan pays Canaran. Face Josué ak commandant en chef l'armée Seigneur. Yon jour, en tant Josué était tout près la ville Jéricho, li rete kon sa. Li wè yon nom kanpe devan avec yon épée nan men. Josué marche sou li et puis li mande l: "Ou se yon nan moun pa nou yo sinon yon l'ennemi?" Nom lan répond li: "M pa ni yon ni l'autre. Moi se commandant en chef l'armée Seigneur. Moi fin krive." Josué tombe à genoux devan l. Li baisse tête li jou kate, li di l kon sa: "Se servite ou mwen ye met, ki sa ou vle me fè pou ou?" Commandant en chef la mefeye a di l kon sa: "Ou ete sa pat nan pi ou? Kote ou kanpe a, se yon kote ki a pa pou bon di." Epi Josué fè sa li di l fè a. Josué chapitre 6. Jéricho nan men pep Israël la. Yo te fermé tout portail la ville Jéricho yo. Yo te barricade yo pour tête monde peuple Israël yo. De yo pa rentré, en dedans pa sorti. Seigneur a dit Josué kon sa: "Koute. Mwen pral lage la ville Jéricho nan men ansanm ak wa ak tout vanyan soldat li yo. Ou même ak tout soldat pa ou yo, nou pral marcher fè ronde la ville la yon fois chaque jour pendant 6 jours. 7 prêtres va marcher devant boîte contrat avec 7 konn bélier pour konnen yon nan men yo chaque. Mais 7e jour, na marché faire ron la ville la 7 fois ensemble ak prête kap konnen konn bélier yo. Le na tande yon coup de konn ki traîné, tout peuple la va prendre pour faire yon sel rel bien fort. Mirail ran pa la ville la pral tombe plat à terre. Le sa, chaque moun va marcher droite devant yo sous la ville la. C'est comme ça, Josué, petit garçon nou la, rele prête yo, li di yo: "Leve boîte contrat, mettez le sous épaule nou. 7 prêtres va marcher devant avec konn bélier yo nan men yo." Après ça, li di pèp la: "Leve marcher. Nou pral fè ronde la ville la. Posyon l'armée ki pou marcher devant va prendre devant boîte contrat." Pèp la fè Jean Josué te ba yo lòd fè a. 7 prêtres yo prend devant boîte contrat Seigneur a, yo tap konnen konn yo. Posyon l'armée ki pou marcher devant prend devant prêtres ki tap konnen yo. Posyon l'armée ki pou marcher derrière tap marcher derrière boîte contrat. Pendant yo tap marche kon sa, yo tap konnen konn bélier yo.
Mais Josué était bail peuple là l'ordre pour yo pas pousser aucun rel gens yo te konn fè là les a goumé. C'est pour yo tout rete bouche fermée sans di yon mot. Jouk lè la ba yo l'ordre pour se rel goumé. Prête yo parti ak boîte kontra seyen a, yo fè on la ville là yon fois. Après ça yo tourné nan camp et puis yo passé nuit lan là. Nan demain matin, Josué levé et puis prête yo prend boîte kontra seyen a encore. Sept prête yo avec sept konn bélier yo tap marché devant boîte kontra. Yo tap koné. Portion l'armée qui pour devant tap marché devant yo. Portion l'armée qui pour marcher derrière tap marché derrière boîte kontra. Yo tap koné tout temps yo tap marché. Deuxième jour, yo marché faire on la ville là encore une seule fois et puis yo tourné dans camp. Yo fait ça comme ça pendant 6 jours. Sous septième jour, yo levé le bajou cassé, yo marché même genre. Mais jour ça, yo fait on la ville là 7 fois. Ces jours ça a fait yo te fait on la ville la 7 fois. Septième fois, après prête yo fin connait konn bélier yo, Josué dit peuple la comme ça. Nous mettre les kounia. Seigneur a lagé la ville là nan men nou. Nous pral offrir la ville là ak tout ça qu'il a dans tant qu'on offrande pour bon Dieu. Nous pral touyer dernier moun qui la dans. Seul moun qui va rester vivant, c'est Vararab, jeunesse là ak tout moun qui va la kayli parce que li te caché messager nous te voyé yo. Mais nous-mêmes, pas mettre main nous dans ça nous gain pour nous détruire pour Seigneur. Si nous prend rien dans ça nous gain pour nous détruire, n'a la cause mal est tomber sous caï mon Israël yo. N'a la cause tête chargée vine pour tout monde. Tout bagay qui fait en l'or, en argent, en fer ou sinon en cuivre, n'a mettez yo à pas pour Seigneur. N'a déposé yo dans dépôt richesse Seigneur. C'est comme ça, yo connaît konn bélier yo. Tande peuple attendait son konn bélier yo. Yo pousse yon sel gorel et puis miraille rend par la ville la tombe plat à terre. Et puis chaque moun prend marché droit devant yo sous la ville là. Yo envahil. Yo offri tout ça qui dans la ville là bay Seigneur. Avec nepe yo, yo touye tout moun dans la ville là, femme kou garçon, grand moun kou ti moun, tout bête, tout mouton, tout bourrique. Josué relé des messieurs li te voyé en cachette al visiter la ville Jéricho, li di yo, allez la kay jeunesse là. Fait le sorti avec toute famille, j'en nous te promet li. C'est comme ça y aller, yo fait Rarab sorti ensemble avec papal, maman, le frère yo, tout reste famille yo ak tout ça yo te gagné. Yo installé yo yon côté en dehors quand mon Israël yo. Yo metté di fe dans la ville là, yo boulé le net à tout ça qui la dans. En wetan bagay qui te fait en l'or, en argent, en fer ak en cuivre. Yo pran yo pote yo nan dépôt richesse Seigneur. Mais Josué te sauvé Rarab, jeunesse là ak toute famille yo ensemble ak tout ça qui pou yo parce que Rarab te caché messie Josué te voyé espionner la ville Jéricho. Mon famille Rarab yo ap viv jou kounye a nan mitan peuple Israël la. Le sa, Josué bay avertissement sa pour tout moun. Li di, m'a di chon bon Dieu pour n'importe moun ki comprend pou le tare bati la ville yo rele Jéricho. Si yon moun mette men nan fondasyon yo, la pèdi premier petit garçon la. Si yon moun remonte portail li yo, la pèdi dernier petit garçon la. C'est comme ça Seigneur a te campé là avec Josué. Nan tout pays ya, yo tap nan menol. Amen. C'était Josué chapitre 5 avec Josué chapitre 6. Que bon Dieu bénisse nous. Amen.